Cette femme, Ngonewar Tiandoum, une noble entre les nobles. Ngonewar, la dernière des Tiandoum Tiandoum, se cache. Pourquoi? Sa fille légitime porte un bâtard, en plus un enfant incestueux, œuvre de son mari qui est le chef du village. Cette femme se faufile entre les palissades pour entrer ou sortir du village. Ngonewar ne te voit plus. Que dit-on dans le village? Elle va me mentir et répondre rien. Rien? Qu'avais-je dit? Tout est mensonge. Modou, porte la chaise sur la place du village. Vite! Où est cet enfant? Vite! Gay, dit mon mari. Tu tiens plus à ton rang au déshonneur fait à ta famille par toi. Te souviens-tu du retour de mon fils, Tatanor? Papa Guide, ton fils arrive, le soldat, il est là. J'attendais un homme. Ce fut moins qu'un homme que j'ai reçu. Une loque. J'étais fière lorsqu'il nous quittait et inquiète aussi. Il me revient fou. Le courage n'est pas d'envahir autrui, mais de faire face à l'indignité chez soi. Maudit soit la guerre et l'esprit de rang. Tu savais qui a engrossé ma fille? Le sais-tu? Réponds. Le père, mon mari. Et maintenant, que disent les tenants de la morale? D'un type de la caste inférieure, j'aurais compris. Voici le trône. Guide. Notre chef du village est réveillé. Gay, l'incestueux est toujours notre chef. Les anciens, ils ne diront rien. Ils se divertissent à leur jeu. Hormis le jeu et Yalla, rien ne froisse leur quiétude. Tiens, voilà Tanor, l'héritier du trône. Il se prépare à recevoir le commandant. Il a fait l'Indochine, le Maroc et l'Algérie. Ah, notre village se meurt dans l'indignité. Oh, pédé ma bande, il fait beau, fait beau, fait beau. Oh, pédé ma bande, il fait beau, fait beau, fait beau. Oh, Ahmad, tu dis vrai. Vrai comme Yalla nous voit. Tu te réveilles, et voilà une maison vide. Les cases abandonnées pleurent de leur silence. Où sont les gens?
Ils sont partis dans les villes, fuyant la campagne, espérant faire vite fortune et sans peine. En ville, ils se dévêtissent comme ces cases de l'étoffe de la dignité. Ouais, quel bâtard! Il est fou! C'est un simple d'esprit. Pas assez que sa famille nous blesse, faut-il aussi accepter son irrespectueuse conduite? C'est un simple d'esprit. De tous les tangos du monde, c'est séduire, c'est danser. C'est toi, en avant. Voilà enfin Guette avec sa couronne, son ombrelle et son frère cadet. Si Guette évite les gens, il n'y va pas de même avec son trône. Que veut son frère cadet? Celui-là, je l'ai à l'œil. À ma place, je vois tout, je sais tout. Je suis le griot de ce pays. Yalla. Aie pitié de moi. Comment vivre avec les autres? Cet acte comme un astre sur ma figure. Faut-il vivre pour s'accoutumer à cet acte immoral, mettre fin à mes jours? Yallah, j'ai pas le choix. Tu nous as salis, Gibril Gueye. C'est bien l'heure de la prière. Oui. Devant Yallah, il me semble que nous sommes tous égaux. Mais Yallah, pourquoi ne punis-tu pas l'incestueux? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله الحمد لله voilà mon fils d'honneur. Je ne puis lui dire un mot. Est-ce là les lauriers de la guerre pour une mère? L'indignité me dévore. De la guerre pour les autres, mon fils m'en est revenu méconnaissable. Ma fille pour qui je rêvais d'un mari égal à elle de rang, son père, mon mari l'engrossa. Moi de la plus vieille noblesse du pays, je ne peux survivre à ce déshonneur. Voilà les arbres. Leur feuillage malaxé sont foudroyants. Vivre, je ne le peux plus. Demain, le soleil se lèvera sur mon corps inerte. Yallah, pardonne-moi. Je ne peux pas vivre avec le déshonneur. Come on.
jarfinak baham fayda. Nila nila busna kona kuya le mat balenge de zegom ya. Dede. Mane maglum dega way. Nakna la. Fila nak. Fan la nari. Bram dam 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 dam. Demba sabar gacandayan kuilal natai kuilal sama doje salan goye kuilal ma demba sabar gacandayan kuilal natai kuilal sama doje salan goye yalla. N'avais-je pas obéi, veillé à tes commandements? N'ai-je pas été bonne épouse, mère exemplaire? Comment vais-je vivre avec mes coépouses, avec ceux du village? Quelle honte pour les miens et ceux à venir! Où sont les beaux préceptes d'alors? Tout est mensonge dans ce pays. Que chuchote-t-elle Nyanya Guissé aux autres? L'enfant est-il venu au monde? À voir son visage, il y a quelque chose d'arrivé. Quoi? Vite, viens à moi. C'est fait. Ngone War Tiandoum a mis fin à ses jours en s'empoisonnant. Elle ne pouvait pas survivre à cette honte. S'il est vrai que nous ne sommes que de sombres acteurs, que tout a été décidé, écrit avant notre naissance, pourquoi la morale, le bien et le mal, le beau et le laid? Telle figure avenante, telle naissance, tel habit d'apparat ne sont que dorures. Chacun se revêt d'un attribut pour mieux griger son prochain. Telle personne a la piété légendaire s'en couvre pour mieux accomplir une activité innommable. Notre pays se meurt dans les mensonges et la fausse morale. Seule la fortune est valeur morale. Ngone War Tiandoum n'a pas démérité de sa naissance. La devise des siens est plutôt mourir mille fois de mille manières plus affreuses l'une que l'autre que de supporter un jour un affront. Répétons, comme le sage, il vint au monde dans des castes supérieures de passé glorieux. Un enfant qui, en grandissant par sa conduite, ternit tout l'héritage de son passé, éclabousse même la dignité de l'individu. Djambour, Djambour. Quelle honte pour Gibril Gate Diop. Où sont les hommes d'hier, les Gelawar et les Damel? Personne des anciens n'a dit mot. Nous griots, nous ne sommes que la mémoire de ce pays. Certaines choses nous blessent. Ce qui blesse le griot tue le noble. Voilà Modoun, que veut-il? Il enlève les babouches. C'est l'anathème. Il invite les gens à abandonner la mosquée.
voilà. Un, deux, ils suivent. Voyons l'imam. Il quitte lui aussi. Il ne reste plus que Gay. Je sens bien que je ne suis pas d'accord. Modoul ne veut que succéder à son frère aîné. Il sait qu'en excluant ainsi son aîné, personne n'adressera la parole à Gay. A-t-il attendu cette heure où tout le monde se repose du soleil pour être avec son neveu? Regardons pour savoir. Annonce que Tanor a tué son père. J'ai toujours dit que Modoun convoitait la place de son frère aîné. Et sans palabre, c'est lui qui va monter sur le trône. Les anciens ne disent rien. Voilà, c'est fait. Le jour même de l'enterrement de son frère incestueux, il hérite, prend tout, ombrelle, chapelet et trône. Une nouvelle vie commence où la vérité sera un délit.
C'est Modoun qui recevra le commandant et percevra la ristourne sur l'impôt. Jamais personne parmi les anciens ne dira mot de cette histoire au Touba. C'est une affaire qui nous regarde, pas le Touba. Griot, je ne peux pas vivre dans un pays où l'on ne respecte plus la dignité. Là où la vérité n'est pas privilège ni de naissance ni de fortune. Mes ancêtres ont toujours régné. C'était des nobles. Qu'importe sa source. La vérité est toujours noble. Que Yallah vous assiste. Moi, je quitte le village. Tu es griot, non pour toi, mais pour nous, la communauté. Un griot dit haut ce qu'on murmure, ce qu'on n'ose pas dire, nous. Il n'est pas nécessaire pour véhiculer la vérité d'être griot. C'est vrai, je m'exile, mais eux, ils s'exilent en eux. Que sont devenus les hommes d'hier, dont mon père chantait les louanges? Notre manque de discernement de la vérité ne provient pas de nos esprits, plutôt du trop grand honneur que nous accordons à la naissance, à la fortune. Ce pays n'a plus d'hommes dignes de ce nom. Il y a des choses et des faits qu'un homme digne de ce nom ne peut accepter ni dans son pays, ni dans aucun autre. Est-ce que dans ce pays a-t-on une fois condamné quelqu'un parce qu'il a violé les saintes écritures? La dignité de l'humble homme, la dignité de la morale. Jamais. Le nouveau ne naît que de l'ancien qui se décompose. Une fille qui porte l'enfant de son père. Un fils aîné, après 8 ans de guerre, rentre au pays avec un esprit simple. Son oncle arme son bras. Le fils devient parricide. L'oncle usurpe le trône, reçoit le commandant. Tous les notables étaient là, sans rien dire. Auparavant, la mère se suicide. Je retourne. Je ne peux pas abandonner ma famille. Je retourne au village. Qu'est-ce qui bourgeonne dans tout ceci? Notre communauté craque. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Entre Yallah et l'homme, j'opte pour Yallah.
entre Yallah et la vérité. Billahi, je suis pour la vérité. Quand revient Dékié, les anciens décidèrent d'exclure Modoun de leur communauté. Et deux jours plus tard, ils chassèrent la fille mère du village. Demain, la fille doit sortir du village. Yallah vous assiste tous deux, qu'il ne vous abandonne pas, qu'il éclaire votre chemin. Depuis quand l'enfant est-il responsable de l'inconduite de ses parents? Yallah fasse que si cet enfant n'est pas de naissance noble, il le devienne et le soit de conduite. De naîtra le nouveau.